Voilà, et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, c'est Christophe. Alors, au programme ce soir, découverte de Hyper Sentinel. Alors, Hyper Sentinel, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une lettre d'amour au shoot'em up des années 80-90, merde. Donc, Sentinel, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une map horizontale où vous pouvez déplacer aussi bien vers la gauche que vers la droite, ça lui reste. Et on va repousser des vagues d'ennemis qui attaquent, etc., etc. Et donc ils ont décidé de faire une version remise au goût du jour. Il y a eu un Kickstarter qui avait fonctionné, il me semble. Et voilà, donc là le jeu il est sorti le 11 mai, donc il y a 2 semaines à peu près. Et puis voilà, du coup j'ai eu l'opportunité, je me suis dit bah tiens je vais le prendre, on verra bien ça donne. Bon, déjà la musique old school. Y a pris Alors les graphismes, il y a plusieurs graphismes. Spectrum, C64. un. Je pensais que ça changerait la volée, mais. On va se mettre en standard pour l'instant, on verra bien. Dites-moi si la musique est pas trop forte, quoi. Ton score est de 0-0-0. Ouais, possible, oui. Alors. Bouger, pause, feu, boost, ok. Pi 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 pi. Alors, lancer niveau 1, un A, un B, un C. D'accord, donc pour l'instant j'ai le choix entre les 3 niveaux là. Arcade, survie, boss, normal, dur, rétro. Bon, écoutez, on va se mettre en un arcade normal, puis on verra. Alors, détruire les cibles de balles. Et donc là j'ai un petit pote qui tape derrière en même temps. Je me suis préparé à boire, j'ai oublié les verres sur la table. J'ai 5000 points dans le premier niveau, je pense, dans le niveau. Ok, niveau en B, détruire les cibles au sol, ouais, niveau. Le truc c'est que c'est impossible de voir les ennemis qui arrivent, ils arrivent trop vite. Thank you.
Donc j'ai une touche de boost, mais... Et merde. Ouais, je suis perplexe hein, pour l'instant, je le cache pas. Allez, un C. Bon, tu vas détruire les cibles ça, là, là. En fait, c'est le truc que je comprends pas. À choisir, je préférais les coupiques. C'est le truc ça. En fait, le vaisseau il avance tellement vite que c'est impossible de... On peut juste pas viser en fait. Je comprends absolument pas les subtilités du jeu. Ouais, j'ai 3 étoiles. Donc j'ai débloqué les deux. Boulet de canon, ouais. Balayeur, abat 10 vagues d'ennemis. Ah, c'est pour ça que j'ai eu. D'accord, c'est pour ça que j'ai eu des étoiles en fait. Ok, donc les étoiles en fait ça correspond à des espèces de hauts faits qu'on fait dans le niveau. Les deux, détruire la cible sol toujours, ou au moins. Ah, mais. Ouais, non, c'est. Non, y a vraiment que ça et. Ouais.
D'accord, en fait là ils disent qu'il faut faire anti-alien, temps record, super rapide, recordman. Détruisez les 4 alienoïdes, ok. Finissez le niveau en moins de 35 secondes. Heurtez les ennemis avec le boost maxi. Donnez le niveau avec le multiplicateur maximal, d'accord. D'accord, en fait donc c'est ça les. D'accord, ça les trucs. Ouais, mais on reprend là. J'arrive pas trop à comprendre à quel moment on est soigné ou pas. Merde, mais y'a un canon qui est apparu là. En fait, d'accord, les gardiens, est-ce que si c'est ça, ce sont les canons. Merde. Oh là là, oh. Alors en fait, je crois que l'énergie de notre vaisseau y revient au bout d'un moment en fait. C'est comme super poussif là pour tuer le boss. T'allais chercher à boire pendant que ça calcule des trucs là. J'ai pas trop quoi penser du jeu pour l'instant. Vraiment. Je trouve ça super fouillis et mmh.
Oh merde, d'accord, c'est des vrais murs selon. Ah, je vais mourir. Hein. Je sais quoi en penser, mon vrai. Tu veux dire que t'aimes bien, c'est ça? Oh mince. C'est quoi mixeur? C'est quoi? Entrez ce code ici. Quand signifie sur mixeur, jouer, buter spectateur, créer des ennemis et des armes. Ah tiens, il y a le chat qui déconne. Il me dit sur le chat. Hein. Ah, il y a un peu de joueurs quand même, finalement. Je suis un peu trop loin. Oh, 245 personnes, ouais. Un peu. Mais ouais, le truc c'est que. Ah, mais il y avait un didacticiel, putain, je l'ai. Ah, détruire toutes les cibles sol, d'accord. Éviter de détruire les armes de l'ennemi. Augmenter le mécanisme de score, détruire les formations pour bénir de niveau, c'est analytique pour un multiplicateur maximum. Retourner esquive, ok. Boost pour chasser les power-up du shaper. Ok. Donc en gros, ouais, il fallait vraiment juste, juste péter les cibles en fait. Bon, enfin une partie et je crois que je m'arrêterai là parce que. Et par contre je vais essayer les autres graphismes. Là. Ah voilà, il vibre. Alors vibre je sais pas ce que ça fait. Tube ok. Spectrum 64. Ah classe hein. Ah, ça c'est marrant. Ah,
Après, c'est un peu cool les films très défaire alors que. Alors qu'ils ont pas les accents. Boum boum boum. Ça, par contre, l'explosion, on l'a pas avec les effets de niveau. Mieux avec le curateur maximum. Ouais, j'ai une épée en plus. Alors. Ça c'est le 764 ça. Chasseur, yeah, nouvelle étoile. Bon, on va se remettre en normal, ça pète un peu les yeux quand même. Et si on peut, il faut pas péter les. Il faut pas péter les tourelles en fait. Yo, Bilou. Oh.
Je voulais flipper, j'ai flippé trop tard. Game over. Ça va mieux avec ça pour péter les sticks de sol. C'est sympa quand tu te le... J'ai pas tout pété aussi. Un truc sympa quand même, c'est quand tu es sur le point de mourir, il y a un petit slow time. C'est insupportable, ça va trop zoomer comme ça on voit rien. Que les points de vie remontent un peu là. Oh, vas-y. Alors ce petit hypersentinel, bah pas terrible honnêtement. Je trouve vraiment pas ça fou quoi. Ça génial en fait, il est pas spécialement amusant, c'est super zoomé, du coup tu vois rien ce qui se passe à l'action. Enfin, en tout cas je sais d'avance que je vais pas embêter quoi. Et ici, j'ai fait une traite phare, Lancel, c'est un petit bijou, je sais pas à côté. Putain, le nom il me dit quelque chose, j'allais voir ce que c'est. Ouais, non, vraiment, mince, vraiment pas fan de Hyper Sentinel. Ah, ouais, on pouvait l'avoir en plus. Je sais pas qui l'a récupéré. Ah non, je l'ai eu. Merde, faut que je réponde. Je l'ai eu par Kemelar, ça. Bah tiens, je vais le chercher maintenant. Si je l'ai encore.
Ouais, c'est vraiment bien alors. C'est ouais, du coup les énigmes, ça c'est pas trop prise de tête, c'est cool. Ouais, c'était sur Kimmeller qui me l'avait proposé en fait, j'ai oublié ça. Un valide email de leur password, et merde. À chaque fois j'oublie. Presenter your password, twice billion, alors ça. Ah oui, mais d'accord, il fallait c'est-à-dire 3 heures, mais bon sang que c'est cool. Du jambon, il se passe tout et rien en même temps. D'accord. Bon, bah, du coup, faut que je me prépare, faut que je me prévoie une soirée là-dessus alors. Alors, attendez, change password. Bim, bim. Alors, tadadadada. Ouais, voilà, c'est ça, il me l'a proposé là-bas, ouais. Allez, take me to my game key. Hop, impeccable. Eh bien, écoute. Hop. Voilà, terminé. Faut le faire au casque dans la nuit noire pour bien profiter du jeu. D'accord. Bah après je le ferai au casque, oui, mais bon, je le ferai sûrement en stream quoi. Ok, bon, en tout cas merci pour le conseil. Je sais pas pourquoi à chaque fois il donne l'objectif alors que c'est toujours le même. Juste pour expliquer vite fait, Bilou. Alors, le but du jeu en fait c'est de péter toutes les cibles sales, si possible en laissant les armements ennemis, et après détruire le boss qui pop. Voilà. Et tout en enchaînant les combos et tout ça pour marquer des points. Et voilà. Sachant que j'ai tué beaucoup de points de vie, mais si je me fais pas tout ça par un petit moment, les points de vie remontent. Hein, voilà. Le truc que je reproche au jeu, c'est que on voit juste rien du tout, quoi. Vu qu'il n'y a pas moyen de freiner, tu passes ton temps à percuter les trucs en fait. Oula.
Sachant que quand tu pivotes, t'es invincible en fait. C'est comme Dark Souls, le roulade. J'ai débloqué le succès, joueur amateur d'Arcane. Voilà. Sachant qu'après, t'as des objectifs à accomplir pour avoir des étoiles en fait. Voilà, donc là par exemple, j'ai recueilli les 6 points d'amélioration, du coup, ça me fait une étoile. Je sais pas s'il y a que 9 niveaux ou s'il y en a plus après qu'ils débloquent. Enfin... Faut que je les active ou pas les interrupteurs là. Le Taz, vous savez, c'est fini votre soirée? Je crois que ça va être vachement plus long en fait. Du coup, je pourrais pas l'écouter demain votre. L'émission, par contre, l'écouterai vendredi. Vendredi, j'aurai le temps d'écouter l'émission de ce soir. Là, la mission là, c'était quoi? C'était vous reveniez sur les différentes ligues, hein, c'est ça? Vous reveniez sur les ligues pour que chacun dise ce qu'il en pensait. Moi, j'ai pris tellement cher là. D'accord, il a une barre de vie en haut et une barre de vie en bas en fait. Il a encore 4 barres de vie. Hein. Que les points de vie remontent. C'est Flashback, plus qu'on a joué, plus une partie, Exilcon, Johnson d'hiver, la semaine prochaine pour le patch note et la présentation de la 3-3 par contre serait une paire de manches, ouais.
Ah, plus besoin de patch notes. Faut remarquer maintenant, c'est vrai que maintenant qu'il est traduit en FR, il n'y a plus besoin de faire chier à traduire le patch notes. Hein. Je peux pas dire que c'est un truc qui va manquer, ça quand même. C'était tellement la purge, ça va traduire à chaque fois. Et n'oubliez jamais, le 3.3 meilleur Street Fighter du monde. Oh non, mais je l'ai raté. Putain. Ah, il reste ça à côté. C'est sûr, pour le patch note, pour ce flatteur, j'ai aucun avis ni même connaissance pour entrer dans un début d'opinion. Des bisous, Bilou. C'est pas mal quand ce boss fait des boules là. Ouah. Attends de régène un petit peu. Allez, remonte s'il vous plaît, la vie. Putain, j'ai un super bonus et je peux même pas m'en servir. Eh merde. Ça fait chier de fois de suite que je laser, de fois de suite que j'ai plus de point de vue au moment où je l'ai quoi. Putain de troll le jeu. Thank you.
Boum! Ouais, dernier niveau, je crois. Un peu faire qui m'héberge. Ah bah les gens, ils vont pas être déçus du voyage. C'est vrai que du coup la nouvelle ligue de PO était quoi de la prochaine de 20. Mais non mais... J'ai plus de points de vie. Ouais, c'est le tempo pour récupérer les points de vie, voilà. Ah, c'est à vendredi prochain, ouais, finalement. Bah, j'ai l'impression que j'ai tout pété là. Ah non, il y en a deux au milieu là. Ah mais genre ça, ils sont pas pétés, non? L'année prochaine, je sens bien qu'au final, les trois quarts du temps, on aura des rooms tiers 1 ou 2 avec de la merde dedans. Ouais, du coup, j'ai pas encore vraiment suivi, j'ai pas encore regardé les mécaniques de la ligue, là. Ouf. Pas que je meurs, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me retaper le niveau. S'il te plaît quoi, on a encore plus de dégâts quoi.
Regardez les mécaniques de l'IA quand tu peux écouter une présentation de mercredi prochain. Exactement. Oh, c'est-à-dire 2 minutes au lieu de 3 heures. Ah mais bon, il va faire ça bien, ils vont l'exporter sur YouTube avec des petits repères et tout, par rubrique. Ah bien, il y a encore 2 niveaux. Alors les repères, c'est mort. J'aurais été jamais mort. Bon bah écoutez, c'était Hyper Sentinel. À moins d'être vraiment ultra nostalgique des vieux jeux, envie de se faire mal. Ouais. Non. J'ai vraiment pas accroché en fait quoi. Le truc c'est que. Enfin. Alors après, vers la fin, c'est un petit peu mieux, mais honnêtement, je trouve que les. C'est impossible d'esquiver, ça arrive trop vite, enfin c'est trop zoomé, c'est. Je sais pas, je trouve. Ouais, je trouve que ça marche pas très bien. Tant pis. Bon, du coup.